Bonjour à tous, vous allez bien, les cancers, votre tirage. J'utilise l'oracle Tarot de Marseille et Tarot d'Égypte. Alors, les cancers, vous voient racinés et sentez peut-être un changement dans votre vie amoureuse ou soit familiale. Essayez, écoutez votre intuition. Vous êtes protégés, les cancers, tous les domaines, si vous êtes. Pensez à la famille et vous êtes une personne qui protège beaucoup la famille, que vous voulez une protection, vous désirez une protection de quelque chose que vous êtes on veut faire. Écoutez les messages que votre ange ou soit votre guide qu'elle voit. Alors, commencez avec les tarots de Marseille. Le message, ça tombait, l'ermite. La carte Butler, c'est le commencement, l'essence d'un amour, l'essence professionnelle. Vous prenez un nouvel pouvoir, un nouvel amour, une nouvelle relation. Quelqu'un qui tourne peut-être par le passé, ou soit quelqu'un doit tourner les pages par le passé. Alors, utilisez l'oracle, voir l'ermite, qu'est-ce qu'il parle pour vous. L'ermite, c'est attention, dans le passé, peut-être il y a une personne, vous êtes senti dans la difficulté, un rebelle ou une personne qui vous êtes en relation avec une personne, soit dans le travail, soit sentimental, c'était un échec pour vous. Alors, les jumeaux. Les Gémeaux, il y a une nouvelle alliance, soit un nouvel amour, soit un nouvel couple construire, un nouvel contrat de travail. Si vous cherchez de travail, si vous cherchez un stage, c'est possible. Un féminin, une situation qui besoin vraiment l'équilibre, prendre cette décision, examiner les choses. Alors, les messages, compassion, vous êtes une personne. Beaucoup de compassion pour un nouvel travail, un nouvel départ pour vous. Message, les rebelles, c'était une personne que vous êtes partagé beaucoup de choses avec cette personne, que vous sentez trahi par cette personne de passé, soit professionnel, soit sentimental. La carte, le couple idéal, vous construire une vie avec un nouvel amour. Besoin de conseil à une personne sage pour prendre ses décisions, soit professionnelle, soit de couple construire. Alors, vous rencontrez un nouvel métier, une nouvelle personne, nouvelles gens qui sont bien, peut-être un nouvel travail, un nouvel métier, un nouvel amour que je vois ici pour le cancer. Alors, les traces et transport, peut-être vous êtes allé à l'autre ville, ou soit un travail nouveau pour vous, soit déménagement, soit un changement dans votre vie. Vous êtes protégé, les cancers, si vous pensez beaucoup à la famille, si vous êtes déjà les enfants, soit la famille, soit vous êtes protégé, votre ange gardien. Et les célibataires, peut-être vous rencontrez un nouvel amour, les célibataires. Alors, les anges pour vous, les cancers, encore examiner les situations, peut-être professionnelles, ou soit vous êtes désiré à changer, déménager, changer de travail, et vous êtes beaucoup les rêves, peut-être il y a un rêve réalisé pour vous, professionnel ou sentimental. Beaucoup le message, beaucoup les synchronicités divines, votre ange qu'il voit beaucoup. Parce que vous êtes beaucoup fort d'intuition, essayez d'écouter les messages. Vous êtes protégé par les anges, par les guides. Voir sentimental à une carte pour les célibataires. Quel message pour vous? Moi, je vois l'amour pour vous. Ouais. Il y a de l'amour. Il y a un amour romantique. Vous rencontrez quelqu'un bien. Il y a une réussite sentimentale pour vous. Alors, les couples qui sont
Les couples ont besoin peut-être écouter votre partenaire, discuter honnêtement. Les gens qui sont séparés, les gens qui sont séparés, je ne vois pas une séparation définitive parce que c'est l'amour de votre vie. C'est pour ça qu'il n'y a pas de séparation. Pour moi, c'est une pause, peut-être une pause, ou c'est quelqu'un qui a besoin d'une pause. C'est quelqu'un fidèle, l'amour éternel. C'est quelque chose qui continue à cet amour. Il y a beaucoup de liens très forts avec cette personne. Et je ne vois pas la fin de cette relation. Je vois quelqu'un qui l'a continué. Peut-être cette personne, elle a besoin d'une pause, besoin. Les calmes, besoin de réfléchir, parce qu'il y a un lien très fort entre vous et cette personne. Vous continuez. Voilà, merci beaucoup. Si vous l'aimez, partagez, abonnez-vous.